Dans la société, mais Stéphane qui a grandi ici dans le vice est une autre statistique de délinquance juvénile. Son meilleur ami Hicham, ce jeune qui vient de Nice, autant que je sache est ma foi un gosse bien tranquille. Stéphane est dans tous les coups pourris et par-dessus tout déteste les types qui passent à table. Son père qui va le chercher au poste la nuit fait retomber la faute sur celui qui l'appelle l'arabe. Les gens vivent si proches et les cultures s'ignorent comme deux jumeaux qui sont assis dos à dos. Un peu de piment dans une vie banale et l'ennui conduit aujourd'hui à ce que des gosses jouent du couteau. La tension pour les faibles, la technique de la pression, de l'effroi pour des rois du bloc 3. Et tous deux se souviennent comme hier des premiers coups de cran d'arrêt au cinéma à la sortie de Rocky 3. Tant de personnes les haïssent, ces stéréotypes de la terreur qui vient du nord de la ville. Ils rejettent l'idéal de leurs parents et disent refuser de devenir des pigeons savants. Un brin de haine et pas mal d'ennui conduisent à des actes qui gâchent toute une vie. Ces personnes qui sont rongées de regrets, carrément aigries d'avoir vécu trop longtemps dans le secret. Un brin de haine, un brin de haine. Désormais enfermé comme Pygmalion dans la peur des Arabes, sans cesse sur ses gardes, il mène une existence régie par la loi du talion. Il ne s'endort jamais en l'absence de la Bible et du 22 long rifle à côté du lit. Lui qui dormait la porte ouverte dans la maison de famille, dans la campagne qui entourait leur cri. Et voici le résultat d'un entassement, des gens pas vraiment méchants mais qui ignorent tout du voisin. Août 95, aucun effort est fait dans ce camp, et cet été nous vivons un climat vraiment malsain. Stéphane, je t'interdis de voir tous ces minables. Stéphane ne fréquente donc plus ce sale arabe. En croyant qu'Hicham l'entraîne vers le vice, il ignore que le diable dans l'histoire est son fils. Et quand celui-ci claque de la porte, il souffle comme d'habitude, très loin d'avoir des soupçons. Stéphane passe prendre son pote et il trace vers la gare, attraper un train pour Toulon. Un brin de haine et pas mal d'ennui conduisent à des actes qui gâchent toute une vie. Ces personnes qui sont rongées de regrets, carrément aigries d'avoir vécu trop longtemps dans le secret. Un brin de haine, un brin de haine. Qui est plus qu'il est, moi ce qui devient faut qu'il reste vrai. Juste un brin de haine, un brin de haine. Qui est plus qu'il est, moi ce qui devient faut qu'il reste vrai. À Toulon, les filles sont si jolies, mais aujourd'hui, pas question de penser au lit. Ils prennent deux billets, puis pénètrent dans un cinéma, s'asseyent derrière un couple qu'ils ont filé. La femme a toujours le sac au bras, dès qu'elle le vire, Stéphane plonge et taxe les clés de la tire. Ils ont payé le train et emprunté une Audi, qu'ils viendront regarder lorsque le coup sera bien fini. Aucune trace, aucun indice, pas de voiture volée. Ce soir Stéphane est fier, quand ils arrivent à la Valette, ils se glissent le long d'un mur. Tout va bien ce soir, c'est désert, le rideau de fer du PMU 7. Ils crochettent la serrure, aucune emmerde. Quand ils distinguent la caisse, ils sourient, ils se ruent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le patron vit au-dessus. Merde, le gadjo a une arme, il la charge, tchik pa. La balle est rafle, l'épaule d'Hicham. Ils partent comme des fous et laissent tomber le fric. Stéphane retourne son blouson pour tromper les flics. Ils sautent dans l'Audi, démarrent et fusent vers Marseille à fond, sans demander le reste. Quand ils arrivent au quartier, Stéphane se marre, mais il a paumé les clés sûrement en tournant sa veste. Alors il escalade jusqu'au premier et pousse la fenêtre du salon pour entrer. Son père se tient debout dans le noir, il est chaud, vise la tête et lui dit tiens, meurs sale bicole idiot. Il croyait que des voyous l'attaquaient et s'est donné lui-même le plaisir de riposter. Voilà ce qui arrive quand on méprise les hommes et qu'on se fout éperdument de l'éducation de son môme. Un brin de haine et pas mal d'ennui conduisent à des actes qui gâchent toute une vie. Ces personnes qui sont rongées de regrets, carrément écrit d'avoir vécu trop longtemps dans le secret. Un brin de haine, un brin de haine. Qui est plus qu'il est, moi ce qui devient faut qu'il reste.
coup de haine.